sont outils indispensables qui pral permettre idées positives vini sur toute problématique femme jeune ak ti moun. C'est pral rapprochement tout moun dans secteur pa yo pour combattre la misère ak l'ignorance en Haïti et dans le monde entier. Voilà, bienvenue à notre émission spéciale. Et Sarah, merci, bienvenue, bonjour. Bonjour Barbara, bonjour. Je suis émue et inspirée d'être à tes côtés pour cette belle mission-là que tu es venue faire ici en République dominicaine. Alors, vous ne le saviez pas, on est en République dominicaine à Barahona. Mais quand on dit Barahona, de pourtant on dit Barahona, tout haïtien dit ou coupé canne, yo dit batté, yo dit zafra, yo dit toute sorte de bagaille que nous connaît qui vraiment fait partie de nous-mêmes, l'on dit Barahona. Et avant de m'entrer dans la question, ça m'a dit merci quand même aux belles découvertes qu'on a fait nous faire dans ce domaine. C'est drôle. Toi, tu n'es pas né en Haïti, ou bien de toute façon. Tu n'as pas été élevé en Haïti, ni à Santo Domingo. Et c'est quoi, qui ça qui propulse ou qui ça qui vient maintenant ramasser cause haïtien en dans Santo Domingo? Bon, je me suis dit que c'est dans 7 mois, ça, j'ai pas de doute. Hein? Après bon Dieu, j'en ai dit. C'est la providence qui vient en fait Barbara. Je me dit que c'est dans cette. Dans cette femme, beaucoup de maman, beaucoup de papa. Mais bon, après, bon Dieu, j'en ai dit, mais la providence aussi, parce que je voulais revenir. Je voulais tourner, je voulais former moi, je voulais bailler toute énergie, toute énorme dans le pays PAM. Je sentais que j'avais assez donné. Au pays étranger et puis je voulais vraiment me dévouer. Hein? Et puis quand je suis arrivée en République dominicaine, cette réalité-là, cette discrimination-là m'a révoltée, m'a sauté aux yeux, mais m'a révoltée. Et puis j'ai vu qu'il y avait une quantité de problèmes dans la communauté haïtienne même. Comme c'est déjà ouais, la communauté haïtienne et Montréal, la communauté haïtienne et du Canada, toute diaspora, nous diviser, nous éparpiller, nous pas qu'on joue nos façons pour nous mettre des têtes nous ensemble, pour nous construire, même si c'est une petite société. Hein. Alors, on commence à faire une série d'investigations et surtout et l'initiative de CRED. C'est une organisation de jeunes d'Haïti, diplômé de l'Académie de diplomatie. Ils ont été nommés ambassadrices d'organisation A. Et puis, ils ont demandé, si ça ou pas, c'est une activité à Santo Domingo. C'est John Miller Beauvoir, qui est un brillant jeune. Ils ont même focus sur le leadership dans la jeunesse haïtienne. Là. Ils ont focus sur l'éducation civique, qui est très important. Pour moi-même tout, c'est une base qui a vraiment aidé la jeunesse là et contre une série de problèmes que nous avons. Et puis nous démarrer, la première activité nous fait c'est 18 mai. Il était un succès, c'était la première fois qu'il était fêté 18 mai. Dans ce domaine? Dans la République dominicaine avec Haïti. Chaque bon haïtien, il y a fêté, chaque bon côté, dans l'université de la République. Parce que bon bagage qui rassemble. Exactement, okay. Exactement. Et puis ça, nous créons une série de vagues de mobilisation de d'autres leaders dans la communauté. Alors, grand travail qu'il faut faire. Moi-même, c'est un petit grain de sel avec surtout M. Fritner Cédon, qui est un grand peintre, qui est un monde qui gagne 30 ans dans le pays. Il a fêté 60 ans l'année ça, en mars même. Waouh! Oui, il a fêté 60 ans. Et puis, on va inviter M. Cédon. Oh, c'est pas juste. Hein? Alors, il fait un gros travail dans le pays, dans la communauté, et puis il t'a aidé nous en pile pour nous faire 18 mai, à conseiller de leaders et dans jeunesse étudiante haïtienne. Très bien. Alors, je suis bien content de m'arriver, je suis content de connaître,
bah, qui temporaire parce que pays d'Haïti besoin petit lit. Même content là et puis nous très non mais Sarah laisse-moi te dire que ça fait partie quand même de la lutte. Oui, ça, oui. Le Saint-Domingue, ou a milité avec étudiants haïtiens, ou a milité avec ancêtres nous, des histoires que nous supposons ramasser et remettre sous pied, des valeurs que nous perdus et que nous avons cherché à récupérer. Tout ce travail-là qu'a fait pour Haïti, retourner sous deux pieds. Je vous remercie un peu quand même de ce que vous travaillez parce que je me sens bien tout comme Dao et Sarah qui campent au côté juste pour Bébel. Merci, tu vois. Et c'est donc ben, bon anniversaire, bonne soixantaine. Et j'espère que nous sommes là tout dans ma massa pour 60 ans. Ça. Mais qui t'aime dire, Sarah, nous faisons une rencontre avec Jean. Oui, Jean Rigaud. Et son femme extraordinaire, son femme fatale, son femme phénoménale. Et comment on fait pour parler nous de Jean? Comment, bien sûr, il va parler nous de lui tout à l'heure, mais ou même parler nous de lui-même en tant que monde. Qui, comment faire rencontrer et puis qui est fait que le fait sous. Et Brie nous tendez, c'est. La rue hein, qui a bougé, parce que nous-mêmes, nous travaillons pendant la rue à bouger, et nous n'avons pas qu'à quitter l'occasion de ça passer pour que nous pas parler avec Sarah, pour expliquer nous, personnages que nous pourrions présenter tout à l'heure comme ça. Jean Guérogori, nous avons dit tout, c'est en fait moi qui mène bon côté, parce que j'ai une petite partie dans moi qui me sent que lui-même, c'est un ancêtre femme, quand nous avons une connexion qui est très intéressante. Mais Jean Guérigori, nous avons rencontré dans un événement artistique, dans une foire culturelle, l'Union européenne a fait avec la collaboration Carmen Tomé dans Santiago. Okay. C'était un bel événement qui était pour et conscience. Et convivialité, tolérance entre les peuples, etc. Et ciudadanía y derechos, nous avons vu ça sous vidéo. Et puis, ils ont fait un hommage à Jean Guérigori, parce que Jean Guérigori, c'est un peintre qui pique, il y a un pigre peintre caraïbe, et puis femme, c'est pas grand pigre, femme peintre aussi. Alors, je t'ai fait un hommage pour lui, moi-même, j'étais concert de fermeture de l'événement. Okay. J'ai rencontré elle, et puis après ça, lui-même, il rencontre elle. Et puis nous venons joindre que nous dans le même canal et, pour lutte là. Mais Jean Guérigori, le rencontrer, je n'ai pas de cas quoi, force femme ça, force rien, et puis ça le représenter pour moi-même, c'est un summum, un cumulatif. De tout ça, le senti Caraïbe l'a représenté, métissage et résistance, résilience et transcendance de la souffrance, de l'exil, de la femme aussi. Elle transcende toutes ces mains et paramètres-là de notre culture qu'on cherche, que tant cherche à oppresser. Alors, elle m'a fait me ressentir fière encore plus de ce que je suis, comme femme de la Caraïbe, etc. Mais aussi, j'ai vu que c'est un lait qu'elle a encore à partager et qu'on doit l'aider à partager ce lait-là à une échelle beaucoup plus grande et à une échelle aussi au niveau de la communauté féminine. Elle a beaucoup souffert, cette dame, cette femme. Oui. Et puis les handicapés. Ça crise, c'est que bon, c'était Yona Figuero, il était gagné des années de gloire, hein, okay. Dans l'époque là où, dans l'époque d'Ouart, c'était dans une époque où vraiment les révolutionnaires aussi tournaient dans la Caraïbe. Okay. Et puis, mais ça crise, il y a 5 ans, elle a eu un accident médical, une complication à l'hôpital suite à une chirurgie d'hernie discale qui fait qu'on a dû lui amputer la jambe. Alors, ça ralentit toute son activité, ça ralentit toute sa lutte aussi sociale, parce que ce n'était pas seulement une peintre, mais vraiment une activiste sociale qui luttait beaucoup pour le droit des femmes, le droit des enfants.
Alors, et le moi rencontré, le moi que, et il était besoin anti support justement, c'est quoi ça? À part de non là non ah là il ralentit, mais œuvre sociale que tu as fait parce que il était qu'on ramasser petit monde, il y a une petite fille. Il était en campement dans Kaili. Kaili côté et nous parlons de Karabako. Il t'a rassemblé en série de peut-être 100 monde jusqu'à 200 monde pour et l'enseignement artistique, culturel, l'enseignement de la morale, de l'éthique, etc. Il a ramassé petit monde dans la rue pour Kaili. Et puis maintenant, justement, elle raconte comment ce que et plusieurs jeunes de la ville. Elle les retrouve, juge, elle les retrouve dans différentes positions importantes de la société. Il fait un bel travail. Et puis, avant nous fermer, Sarah, nous avons un pile de monde qui jeune qui a dit que Manzé, son monde qui bat colle et que il rentre dans la lutte pour le monde et que dans la vie, il faut chercher pour nous-mêmes. Ou pas doit chercher pour moun tout le temps et que li te gen nan mel pou n'y a pas gen nan mel encore, c'est parce que li te rentre dans la gauche ou bien la parler de discrimination trop dans, je ne sais pas, est-ce que son moun qui était dans sa nourrile comme on dit ça encore est-ce que li était dans politique li... pas qu'a dit li était dans politique, mais le tourné en artiste qui ont influence et importante sous communauté. Il était comme parlant en pile de négritude. Oui, exactement. Okay. Et qui défend des idéaux qui un message peut prendre une tournure sociopolitique. Okay. Parce que nous connaissons que le nous parlons de discrimination, il tombe dans la politique tout. Okay. Alors, il y a des gens qui viennent, ils viennent derrière, ils viennent appuyer. Puis alors, si ce sont des politiciens, alors, ils viennent tous les noms au camp. Je me pose une question, Sarah, je connais qui. Ou bien doit répondre ou bien pas répondre. Est-ce que vie pas aussi que ou ramasser trop cause sociale, sous parler de négritude, soit dénoncer une série de bagarres, ou connaît que ça a fait arriver dans un moment pour jouer une frappe, tant coup, femme ça, jouer une frappe là. Est-ce que ça ralentit ce travail ou? Est-ce que la force, en tout cas, moi est-ce même, que la force fait autrement? Moi-même, je crois que l'art, là, c'est un art qui c'est un outil, une arme qui non politisée. Okay. Et je crois que c'est une arme que nous devons utiliser en pile parce que l'universel, ça, c'est deuxièmement, on a dit que nous avons des prédécesseurs, nous avons des Luther King, nous avons des Malcolm X, nous avons des Stephen Biko, nous avons une série de monde qui déjà fait un travail derrière nous. Et puis nous avons l'autre qui a fait un travail après nous. Okay. Mais ça nous a besoin de nous-mêmes pour nous faire. Même si ce n'est pas peut-être pas nous, même si ce n'est pas peut-être pas nous pour profiter. Même si c'est petit nous, même si c'est petit nous qui va profiter, mais faut nous faire. Faut nous parce faire que, quand même. Comme elle disait, on vient de loin. Hein? Et exactement, il y a des gens qui ont dit que oui, l'art peut-être des fois baigne dans la politique, mais moi-même, je crois que avec l'art, nous avons fait un pile bail. Nous avons fait un pile bail. Merci un pile, Sarah. Merci un pile, chérie. Barbara. Causons-nous, sont outils indispensables qui peuvent permettre idées positives vini sur toute problématique femme, jeune, actimoun. C'est pour le rapprochement tout le monde dans ce secteur payo pour combattre la misère et l'ignorance en Haïti et dans le monde entier. Émission Causons-nous, bah rendez-vous sur Radio Causons-nous. Sorti lundi, rive samedi, chaque 6h dans matin à 5h dans après-midi sur www.weadventure.org. Émission ça passe tout sur Radio Excellence 101.5 FM dans Mirbalais ak sou www.excellencefmhaiti.com. Lundi, mercredi, vendredi, 7h dans matin, reprise 11h à soir. Kozan nou. Kozan nou. Kozan nou. Kozan nou.